bien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de Nexus RP. Vous étiez super nombreux à me demander une suite. D'ailleurs c'était ouf, je pensais pas qu'il allait y avoir autant d'engouement autour de cette série, mais ça fait hyper plaisir. Donc tous les épisodes précédents que vous avez vus ont été pré-record avant que le micro lâche. D'où pourquoi en fait il y avait plus de vidéos par la suite sur Nexus RP. Le micro a lâché malheureusement entre temps, mais j'ai fait l'acquisition d'un nouveau, d'un ROD. Donc maintenant tout va bien, entre temps il y a eu une semaine au moins, il y a eu bien, allez, deux semaines de battement on va dire après les événements qu'il y a eu. Donc il y a énormément de choses qui ont... Voilà, il y a énormément de choses qui ont changé. RP parlant, je crois que le roi est mort. Il y a eu plein de trucs, quoi. Enfin, moi, j'ai rejoint la résistance. Ça, c'est pour ceux qui ont regardé le live. Il y a eu énormément de choses. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est dans la description, je vais mettre les liens des personnes qui font du Twitch. Donc, Yonix, Yachita, il y a plein d'autres personnes. Donc, je vais essayer de mettre le maximum de liens dans la description pour vous essayer, justement, un peu de rattraper les épisodes qu'on a ratés. Donc, moi, hop, Kira va aller se balader. Et on va aller voir ça ensemble, donc on va commencer maintenant. Oh, salut! Bonjour, bonjour. Ah, bonjour! Ah, bonjour, monsieur! Il y a quelqu'un, non? Oh, dis donc, il y a du qu'est-ce monde! Qu'est-ce qu'ils pensent ici, non? Voilà. Ils sont tous les bâtiments, qu'est-ce qu'ils sont pensés ici, non? Mais ouais, il y a quoi, là? Je pense que ça fait 3-4 jours que je monte, que je dors, moi. Je pense bah, c'est la fin de la guerre, en fait. De quoi? La guerre est finie. Ah ouais? Comment disons? Bah en fait, j'avais été faire un guerre sur moi et tout. Bah en fait le roi il s'est fait passer pour mort, il a fait quoi, qu'il s'est suicidé? Quoi? Et en fait le nord il a fui au centre pour faire genre on a un nouveau pays tout ça. Pour pas se faire chicoter quoi. Ah ouais, il y a eu pas mal de... Ouais il y a eu pas mal de mouvements ouais. Et le Don il est plus là. Et ah ouais, bon le Don, on l'a trompé en fait, c'était le fils de Pink. Oh et les deux. Du coup le Don était le fils de oui. Pink. Non mais vous êtes pas bien, vous, c'est qui que vous avez dit ça? Mais c'est lui. Et en fait, il a été jugé et il devait être en exil et en fait apparemment ils sont partis dans l'eau. Donc je sais pas s'ils se sont noyés ou quoi et Walton les a suivis, on n'a pas de nouvelles de Walton, il nous a laissé une petite lettre là pour nous dire ça et voilà. Oula, il s'en est passé des choses. Oh ouais, ouais. Non, je comprends rien. Donc là, vous retournez à la capitale, c'est ça? Ouais, là, on est en train de habiter la capitale, ouais. Mais on attend d'avoir un président, mais il faut d'avoir ce qu'on fait par rapport au centre maintenant, qui est anciennement le nord. Parce que du coup, ils se sont foutus de notre gueule en disant que le roi s'était suicidé alors qu'il était à l'intérieur. Tout ça quoi, enfin qu'il était dans leur château en fait, en train de se faire passer pour le garde du corps de la Wade quoi. Ouais, qui est-ce qui dirige le sud là pour l'instant? Bah en fait on va voir les Fernando, Fernando et Marcus coup, pour le moment. L'ancien sénateur et Fernando. Ouais, et Fernando ouais. Mais on attend ouais. Les il y a une police en fait, de mise coup, en place ou quoi non, du coup? Moi je suis il y a Fernando ouais, et Quick et après les élections il a dit qu'il allait relancer le recrutement des policiers. La NIA nous a rejoint, c'est devenu la SIA. Et voilà. Bah, ils font quoi eux? Bah ils surveillent qu'il n'y ait pas de coup d'état, tout ça. Et là ils sont en train de reconstruire une base quoi pour mettre leurs dinosaures. Et ils vont nous faire des dinosaures de défense et tout ça quoi. Oh non non, oh non 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 non. Oh là là, il s'en est passé des choses hein. Moi j'ai pas confiance en eux hein. Faut faire attention, mais. Bah franchement, non, ça a l'air d'aller. Quand on est allé au centre, ah. J'aurais demandé de nous prêter des dinos. Ils bah nous vaut, et tout, vaut quoi, mieux les avoir près de nous que loin de nous quand même. Ouais, c'est sûr, c'est une bonne initiative ça, mais après, les avoir trop près, c'est pas bon du tout. Hein. Oui, oui, oui. Mais on les a. Bah, franchement, je les connais bien, ils sont vraiment. Enfin, par rapport au sud, il y aura pas de soucis avec eux. Hein. Ouais, j'ai peur. Hein. Et bah, si tu te trompes, tu me devras de l'argent alors. Ouais, bien sûr. Là, en fait, si vous voulez, quand le Don, en fait, il nous a dit que le Wai était toujours vivant, on est allé au centre, du coup, on est allé demander des explications. Et y a personne qui a été capable de nous ouvrir le château pour qu'on constate la présence du roi quoi, même si en fait tous les gens... Vous avez pas fait péter les portes? Bah ils ont pas voulu, je l'avais dit, on a du C4, ils ont pas voulu... Oh, non, on a fait faire péter. Ils voulaient faire ça pacifiquement. Ouais c'est ça, mais moi j'aurais tout fait péter hein. Ah, une petite étincelle de temps en temps mais... On se fait chier avec du C4 et on s'en sert pas là, franchement. Bah ouais, on s'en sert derrière une porte devant vous et... Oh bah s'il vous plaît, ouvrez-nous la porte, s'il vous plaît, on est des gens qui... Oh, ah ouais, bah, vous avez pas beaucoup de mal, mais c'est pas grave, on vous en veut pas. Faut dire ça au chef, hein.
C'est Shen et Joe qui ont pas voulu. Voilà, ouais, Shen le père du gun, quoi. Comparateur, quoi. Voilà, voilà, exactement. On le savait pas encore que c'était le père du gun. Pour faire péter les portes, quoi, donc... Yogi. Mais on savait pas que c'était le père du Don à ce moment-là, donc... Je sais pas, il a voulu... Je tombe de nu, hein. Moi, c'était mon frère d'armes, Pink. Oh, l'ancien... Yogi. Oh, putain. Oh, oui. Oh, il est avis de recherche, de toute façon. Avis de recherche. Ouais, j'ai posé, j'ai demandé là, et puis j'ai posé un avis de recherche, du coup. En fait, je me souviens que... En fait, la NIA, c'est Fernando qui les commande. Hein. Oui, j'espère oui, bien. Oui, oui, il a fait un combat avec eux, là, il les commande. Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait descendre le Tila Coléo de Robin et lui mettre sur la plage avec lui? Il est là, il est derrière toi. C'est moi ou il y a du non, mais sur l'autre plage, en dehors de la base, il peut pas rentrer dans la base, il peut pas en sortir non plus. Ah, est-ce que c'est moi ou il y a toujours des mal de crâne qui traînent? Un peu, c'est ça. Un peu. Mais ça s'améliore. Encore. Oh, attendez, je fais pipi dans l'eau. Regardez pas. Bah, enlève ton pantalon. Faut que je l'amène où, Hila? Le Tila, faudrait que tu le déposes, tu vois, à gauche, en sortant de la base, à gauche, un petit peu plus loin, t'as une petite plage avec Robin dessus. Ok. Putain, regarde, Hila, t'as vu, c'est comme ça que t'avais, quand t'avais les cheveux sales. Tu vois, ça faisait comme ça, c'est pas top, hein. Bah, je trouve non, mais joli. dis donc. Ouais, ça, il va très bien. Chacun ses goûts, quand même. Bah, mais c'est lui qui dit ça, mais il a la même coupe, alors bon. Bah voilà, non mais, excusez-moi, non, monsieur, quand même. Ça, il va très bien. Chacun ses goûts. Ça vous met très en beauté. Ah bah c'est très gentil, monsieur, merci beaucoup. Ah bon, non, mais sinon j'ai une perruque, hein, c'est vraiment... Non mais ça va très bien, laissez mes cheveux tranquilles. D'accord. Vous êtes venu comment, non? Bah nous, en fait, on est en train d'aller voler le trésor d'un pied-watt, en fait, là. Ah bon? On laisse sur un truc secret. Un pirate. Ouais, comme il y a plein de walkers, on était venu chercher les baleines. Il s'appelle Barberas. On a trouvé son château. Bah, regarde, Green, tu vois le bateau là, je l'ai fait juste pour la quête là. Oh, d'accord. Donc, on y a quoi? Histoire de quoi? Il y a du monde à la capitale du sud là, du coup? Ouais, il y a du monde là, il y a du monde normalement. Oh oui! Ah bon? Donc, on va y aller, nous. Ah ouais, je pense qu'on va aller faire un petit tour. On va se mettre à jour, hein, parce que rien, je comprends rien du tout. Là, il y a beaucoup de choses qui sont passées, dis donc. Il y a votre ami Teubé là, du nord, il est là-bas. Ah, Teubé, ouais, c'est mon pote. Teubé, il est là-bas. Teubé. Bah, je sais pas, c'était son nom de code, Teubé. Oh, ouais, c'est Tony. Ah, Tony, donc c'est Teubé son nom de code. Ouais, son nom de code, c'est Teubé. Ouais. Ah, bah, je lui dirai. Ouais, il sera content. Sait, hein. Il le sait, hein. Ah, bon, bah. C'est lui qui l'a choisi. Il pas un petit peu de manger pour nous, s'il vous plaît, pour le train. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Ah, c'est gentil, merci. Ah, dis donc, tu conduis bien, hein. Moi? Ah bah ouais, hein. T'es un pilote professionnel, la professionnalité, hein. T'aimes la vitesse, hein. Ouais, je suis à fond, hein. Oh la vache, ça me décoiffe. Ouais, c'est pour ça que je cours vite. Ah bah ouais. Bon, tu t'es pas réveillé depuis que tu t'es incrusté dans la résistance, toi, c'est ça? Ah bah tout à fait, ouais. Bah j'ai eu en fait une extinction de voix, donc du coup impossible de parler, donc je me suis reposé. Hein. C'est en force de parler, tu parles trop, peut-être. Ouais, je pense que je parle trop et du coup, faudrait que j'apprenne à me taire un peu. Moi, ça, je sais pas, hein. Des fois, c'est bien de pas mal parler. Moi, je parle tout le temps. Ouais. Et tu parles vite aussi, hein. Ouais, aussi, hein. Con, il fait rire, hein. Bon, on va voir un peu ce qui s'est passé, là. C'est bizarre, hein, putain. Alors, le roi, c'est plus le roi. Il a fait ci qu'il était mort, mais en fait, il est pas mort. Du coup, après, le Don, c'est le fils du Shen. Ouais, truc de fan. Ah, il y a trop de trucs, hein. Ah, mais moi, je suis perdu, coup, là. Ils ont gagné la guerre sans se battre. Enfin, je comprends pas trop, ça. C'est bizarre. Ça va être là. Là, on va où, là, du coup? On va à la capitale du Shen. Ouais, c'est ça, hein. Du coup. Bon. Là, tu parles comme moi, là, on peut vous dire. Ouais, ça m'arrive des fois, j'ai remarqué. Ouais, mais tu verras, au bout d'un moment, à force de se connaître, tu vas voir, tu vas dire ouais tout le temps, hein. C'est vrai, c'est sûr. Ah ouais? Bah, tout le monde qui prend le temps, quoi. Ouais. Putain, le con, moi, je parle comme lui, dès que je lui parle, c'est affreux. Ouais, faut que je prenne le pli de... C'est à force de t'entendre, hein, tu sais, des fois, je prends le pli sans m'en rendre compte. Non, mais en vrai, hein. Tiens, il toque. Ouais. Ah putain, la merde. Tu te forces à pas dire ouais, je le sais, hein. Je le sens. Oui. Oui. Ah. Con, moi, tu vois, je veux dire ouais. Ah ouais, non, mais t'as raison, hein, c'est... Oh là là, ça va être maladif, là, à force. C'est maladif. Ah ouais. Mais ouais. Tu vas voir.
J'ai trop envie de dire ouais ouais depuis tout à l'heure avec ces conneries. Donc, quand tu dormiras et tu feras des rêves, tu verras, tu parleras comme ça aussi. Tu vois là, j'ai fait dire ah ouais ouais ouais. Ouais, quand tu rêves que t'es vendeuse dans un magasin, tu vois, et les gens te demandent ouais, alors ce jeu, est-ce qu'il est bien? Oh ouais ouais ouais. Ah ouais, bon, bah je verrai bien, hein, ça se trouve, ouais. On sait, ouais. Ah ouais, pendant le sommeil et tout. Ah ouais, je fais pareil, tu vas direct passer à moi, tu vas dire oh putain, Yogi, on me fait chier, c'est fou, toi. Il est partout, merde. Et du coup, ouais, ouais. Bah tu vas pas savoir quoi faire là, en arrivant au capitaine. Bah non, là je suis totalement perdu, je vais regarder justement ce qui se passe un petit peu, s'ils ont des projets. Moi, j'ai une idée, hein. Je pense que t'en penses. Oh, non, ah, dis-moi donc. Oh, non, oula, fais gaffe, ouais. Oula. Je sais pas, y a pas de police là, du coup, on peut peut-être rentrer dans la police. Ah, c'est pas bête, ouais, c'est vrai. Ah, ouais, on pourrait mettre l'ordre en place. T'inquiète, je vais te pistonner, hein. Comme ça on va rentrer en police tous les deux, si tu veux. Ah, ouais, moi je voudrais bien. On va mettre plein d'amendes et tout. Oui, ça va faire plein d'argent, on va voir, ouais. Bah, oui, bah, toi en plus, j'ai cru comprendre que t'aimais bien l'argent. Non, tu m'en vois. Ah, je sais pas, on m'avait dit que t'aimais. Je suis pas un moyen. Non. Ça, il prend toutes les thunes et tout, c'est. Je suis pas un souffrant, surtout pas. Ah, bah, je sais pas, on m'avait dit que t'aimais bien l'argent. Ouais, mais ça, c'est ce que les gens disent. Après, c'est vrai, j'aime bien, mais voyons. Je vais pas escroquer les gens, je vais pas les voler. Ah, non. Bah, tu me rassures. Bon. Le mec, il veut trop. Non. Je suis pas un menteur. Moi, j'ai jamais menti de ma vie, jamais. Ah, bah, c'est bien, tu vois, des gens honnêtes comme toi, il en manque. Alors ouais. Le mec, c'est le pire escroc. Si tout le monde était comme moi, au moins, la vie serait heureuse pour tout le monde. Ouais, ah, bah, il y aura une meilleure terre. Ouais. Ah ouais, il n'y aura pas de guerre, rien du tout. Hein. On va dire, ouais, vas-y, t'as besoin de policiers, regarde, nous on vient. Hein. Moi c'est procureur général de la République indépendante, de la République populaire, de la République du Sud. Maintenant c'est une République tout court, hein. La démocratie. Ah bah ça fait quand même beaucoup. Procureur de machin, de machin. Procureur général de la... Non, tiens, je te répète. Tu vois, même toi c'est trop long. De la généralité de la République indépendante populaire, de la... C'est affreux. République du Sud. T'as entendu, ah ouais. Faut que je rappelle. Ah bah écoute, vu que j'ai eu des petits mots de tête. C'est... Ouais, j'ai vu ça, ouais. Alors, j'ai la République. Je suis procureur de la République, de la généralité, de la République indépendante populaire, de la République du Sud. Bah j'ai compris le message, c'est le principal, je pense. Ouais, le mec, c'est ouais, hyper long. Que, après, tu peux devenir aussi comme tu veux, hein. Tu peux être la procureure généralité, la République indépendante populaire, la République du Sud, évidemment. Ah ouais, bah écoute, ça je pense déjà faut le noter, faut que j'arrive à le retenir. Ouais, mais policier ça va plus vite en fait. Ouais, bah c'est plus rapide. En fait, ça va pas de procureur parce que c'est trop loin, y'a. Oh, je crois qu'il y a une baleine. Oh, y'en a. C'est un champ bah. Ici. Hein. Ah ouais, moi j'avais été une fois, j'étais passé une fois pour la voie, et dis donc, ça a changé. Ah ouais, c'est vrai, t'étais là toi. Hein. Ouais, bah j'avais écouté un petit peu les petites chansons, il y en avait 2-3 qui étaient sympatoches. Ouais, moi on m'a volé ma chanson, c'est une dégoûtée. Ah bon? C'était quoi ta chanson? C'est pour ça, ouais, fais gaffe. La petite tunguette. La petite tunguette. Oh, yo, la petite tunguette, un trépote, moi l'habite avec les doigts. Oh, yo, la petite tunguette, sans revenir des bois. Après j'arrête de chanter parce qu'on est trop osé. Ah ouais, dis donc, ah ouais, c'est... Oui, je me rappelle de ce monsieur qui l'avait chanté, dis donc. Ah oui, ouais, c'est une chanson. Chanson, ah oui ça. D'ailleurs, je vais l'attraper, il me doit de l'argent. Ah, bah c'est olé olé. Hein. Ouais. Tu devrais peut-être mettre des droits sur cette chanson, tu sais, ça peut te faire de l'argent, hein. J'aurais dû, hein. J'ai pas pensé, mais c'est une bonne idée, hein. Ouais. Bah oui, tu peux mettre des... Bah oui, hein, y'a moyen que tu te fasses des pépettes, hein. Bon, des grosses pépettes, on va être changé sur, hein. Oula. Oh non. Oula. Oh non. Oula. Oh, y'a une sonnette. Attends, viens, on sonne. Merde! Ding dong! Elle est où la sonnette? Oh! Excellent! Attends, je peux sonner! Vas-y, sonne! Vas-y! Hey, y'a quelqu'un? Ding dong! 4 fromages!
sonnerie de merde. Bah dis donc, y'a personne qui répond. On va chez nous, on va rentrer. Ouais. On les laisse là ou pas? Non, non, y avance. C'est pas nous qui avons appuyé, non. Ah, oh, c'est joli quand même. C'est quoi ce panneau? Ouais, c'est joli le panneau comme ça. Oh, ah ouais. Avis de recherche. C'est marqué quoi? Donc, alors, panneau. Avis de recherche, Docteur Chen, Grignon et Duncor Léon. Donc, il y a un avis de recherche pour les deux. C'est Chen Grignon, c'est vrai. Ouais, ouais, ah, voyons, mais quel nom. Bonjour. Oh, bonjour. Oh, oh putain, oh, mais c'est te mets. C'est te mets. Maintenant, on m'appelle Arthéon, c'est un peu plus cool. Les nouveaux, ils prennent peur quand on dit ce nom-là. Bon, pourquoi? Ah, parce que c'est mon deuxième nom et je me suis présenté comme étant teubé au nouveau. Ils m'ont pris pour un fou, alors fallait que je fasse quelque chose. Ouais, pour nous, tu resteras toujours teubé. Hein. Bah, ouais, mais on m'a dit que t'étais teubé, qu'il fallait t'appeler comme ça, donc moi, du coup, j'ai pris le pli. Ouais, ouais, ouais. Et à la base, c'était B, pas teubé. C'est... Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est tronquin, hein. Sinon, c'est vous qui étiez en train de sonner? Ouais, ouais, ouais. Oui. Ah, excusez-moi, le temps de me déplacer de là-haut jusqu'ici, j'ai mis un peu de temps. Oui, c'est vrai. Bah, dis, l'auberge elle est ouverte, là, tu peux nous accompagner, qu'on discute un peu, parce qu'au moins on s'est pas réveillé depuis en bagne. On a croisé Mamadou sur l'île de résistance, il a expliqué qu'on le donne, c'était le fils de Chen, quand la guerre était finie, qu'on avait gagné la guerre. Mais Slot, c'est le bordel, mec. Rien, tout ça. Faut que je les refasse. Castagné encore, hein. Aïe! Non, mais calme-toi, mais. Non. Bah oui, bah, attention, t'as l'air. T'as le point facile, hein. Bon, bah écoutez, la taverne elle est fermée, mais si vous voulez, je peux vous emmener chez moi. On s'est pas pressenti, je pense. Ah bah non. Non, il cogne pas. Je vais mettre la lumière, vous inquiétez pas. Je me présente Fritz Feller, ancien sportif, champion du monde de... Fritz Feller. Des frites au pluriel, c'est ça. Bah oui, c'est quoi? J'ai pas compris, la frite... Frite quoi? Fritz. Fritz. C'est Fritz, avec un S à la fin, je crois. Je m'appelle Fritz Feller. Fritz Feller. Fritz. Bon, qu'est-ce qui se passe, Durant? Ouais. Ah, c'est champion du monde de tir à l'arc, de combat de shoot et de. Et de combat de pétateur. Et je fais reconstruire. Je vais reconstruire un grand centre sportif pour justement faire des Jeux Olympiques, Yafol. Oh, tiens, bien, ah ouais. Oh, ça c'est pas mal, hein. Des grandes compétitions et tout. Ah, ouais. Ah, il y a très grand, plus grand que vous. Feriez Paris? Vous feriez Paris? Il y aura de l'argent? Ah, il y a folle, bien. Ah, bah oui, il y a folle, il y aura des Paris, tout ça. Il est là, il est là. Ah, tiens, con. Ah, oui, ça peut allez, être pas mal. Salut, Yogi. Oh, putain, Michel, oh, bonjour, putain, comment t'as grandi? T'as vu ça? Oh, putain. Bonsoir. Bien grandi, hein. Oh, non. Lève les bras, t'as des poils sous les bras maintenant? Fais-moi. Oh ouais. Bah oui, dis donc, ouais. Ça pousse. C'est pas très bon par contre, hein. Il va falloir mettre du dedans maintenant. Bon, je vais essayer de vous raconter sans oublier trop de choses. De toute façon, je pense que... Ah bah non, je suis le seul à peu près à savoir. Non, peut-être que petit Michel sait un peu plus aussi. Du coup, ce qui s'est passé récemment... Bah déjà, où c'est que vous vous êtes... quels sont vos derniers souvenirs avant d'avoir dormi, quoi, histoire que je commence pas pour rien. Ça fait un bout de temps, ça fait presque une semaine. Ah oui, hein, facilement. Hein, moi, je me rappelle, avant d'avoir mon extension de voix, je venais tout juste de rejoindre la résistance, hein, teubé. Hein. D'accord, ok. S'il vous plaît, maintenant, c'est Arthéon. Comme ça, ça sera plus simple. Et c'est ouais, teubé, moi, je m'en rappelle. C'est comme frites. Ouais, toi, je m'en rappelle. Oui, c'est plus facile. C'est facile. Ouais, d'accord. Oui, c'est très bien. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que... officieusement, le roi s'est suicidé. Il n'a pas supporté, parce que dans la même soirée... Il a tué le commandant. Il a attaqué la NIA. Il y a quoi? Attends, le commandant. Ouais, il a tué le commandant du Nord, Serge Lerustre. Mais non! Ah ouais? Oh putain, il l'a exécuté devant le commissariat. Oh, je suis con, il doit être vénère. C'est le roi qui l'a tué. C'est pas le roi, mais c'est le sous-ordre du roi qu'il a été exécuté. Le sous-ordre du roi? C'est quoi ça? Un sous-ordre du roi? Non, parce mais que Chico a attaqué la capitale le jour d'avant et il a disparu. Par contre, le commandant, pendant son exécution, a dit qu'il avait prévenu son grand frère Igor et que Igor viendrait sans doute nous empêcher de dormir sur nos deux oreilles, comme il a dit. À qui? Au nord ou à nous?
honneur à ceux qui l'ont trahi. Non, j'ai même peur. On allait encore avoir des assassins hein, qui allaient se pointer par ici. Ensuite, juste après avoir assassiné le commandant, ils ont fait une attaque sur la NIA parce qu'ils avaient plus confiance en eux. Ah oui, ils s'attaquaient entre eux. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Après, manque de peau, la NIA, bah, tu sais, c'était l'agent Jirep et Brap qui étaient les espions du roi dans la NIA. Mais ils sont devenus la SIA maintenant, Secret Independent Agency. C'était Sudis maintenant. Et il veut oui, maintenant ils sont dans le sud. Pas celui qui parle comme ça, mais l'autre il veut toujours pécho, mamie. Oui, Brap, je sais. Et le plus drôle, c'est que le roi a organisé une attaque contre la NIA à 20 contre 3 et ils ont été capables de perdre leur assaut. Ah ouais ils sont tous, retournés à l'hôpital. Comment on a fait pour perdre contre eux? Allez, on va en question. Pourquoi on a baissé les signes? Je sais pas comment ils ont fait pour perdre. Faudra demander plus de détails à Brap et Jirep, mais apparemment c'était des beaux boulets. Hein. En attendant, par la suite, ce qui s'est passé, le roi a pas supporté toutes ces boulettes et toute la pression qui pesait sur lui. Ouais. Et il aurait soi-disant sauté de la falaise et s'était écrasé comme une crêpe en bas. Juste après son mariage. Ouais, juste après s'être marié d'ailleurs avec la reine des Amazones. Ah, elle est sympa la nuit de noces. La suite, c'était que la reine des Amazones devenait la reine du Nord. Et avec le garde de la reine et quelques villageois, ils ont décidé de déserter le Nord. Ils ont décidé de déserter le Nord et de s'installer sur les terres du milieu pour créer le CIC. Alors, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais communauté indépendante centrale, je sais plus quoi, un truc du genre. Je crois que c'était la banque qui parlait, ma main. Ouais, je croyais aussi, mais pas du tout. Et... on est allé les voir du coup avec Joe il y a 3 jours pour savoir quels étaient leurs ressentis envers le sud, envers la résistance. On a parlé ouvertement, librement. Ils nous ont dit que le roi était mort, que de toute façon ils n'étaient pas pour ses actes, qu'ils étaient contre ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant et que c'est pour ça que la reine avait délaissé le nord. On a posé pas mal de questions, on s'est rendu compte que personnellement moi venant du nord j'avais quand même pas mal de réponses et je savais qu'il y avait quelques mensonges. Et on a eu aussi pas mal de réponses de la reine nous disant que le nord était libre, qu'on pouvait aller s'y installer si on voulait, qu'il n'y avait plus personne. Or derrière avec Joe on est directement parti dans le nord pour voir s'il restait du monde et oui il restait des personnes qui voulaient pas quitter justement les terres dans lesquelles ils étaient nés. Et qui décidait de rester là-bas, donc le royaume du Nord n'existe plus, mais par contre la capitale, il y a toujours des habitants, et ils essayent toujours de survivre là-haut et de vivre comme si de rien n'était. Et encore. Et ensuite, en repartant, on voulait aller voir, refaire un petit crochet au manoir du Don, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et alors lui, il est mort ou pas le Don? Alors je comprends plus rien. Parce qu'ils disent qu'il on est tombé. J'en sais rien, je t'avoue que hier soir je suis parti trop tôt. On est tombé justement sur un certain Cerberus qui nous a dit messieurs, pour une fois, faites-moi confiance, je vous assure, le roi n'est pas mort. Pour une fois. Et du coup, on n'a pas tout compris, on savait pas trop qui c'était. Et on a proposé de l'endormir pour savoir qui c'était, il a fui directement. Par la suite, on allait voir jusqu'au manoir du Don. Il n'y avait plus rien. Il y avait seulement le manoir et quelques bêtes. Du coup, on est rentré. Et le lendemain, quand on est arrivé, il y a quelqu'un qui est venu sonner à l'entrée de la ville. Et c'était Cerberus et ses hommes. On les a invités dans le Sénat. On a parlé un peu avec eux. Cerberus nous a raconté sa petite histoire. Et Cerberus nous a dit que le roi n'était pas mort, il nous a même donné sa couronne pour nous prouver qu'il lui avait piqué pendant qu'il dormait. Ensuite, il nous a raconté que un lourd secret pesait ici, que l'ancien roi, celui qui était à la tête du royaume général avant le tremblement de terre, avait eu pas une aventure mais un beau-fils si je puis dire
Et ouais, il y avait une quoi. C'est chacun sa façon de voir les choses. Mais que du coup, il y aurait un héritier secondaire, mais un héritier direct de l'ancien roi qui est mort. Et là, Cerberus a enlevé son masque et tada, Don Corleone, qui serait soi-disant l'héritier direct. Bon, hein, mais c'est ce qu'il a dit, comme il y a eu beaucoup de questions. De toute manière, Cortisone, c'est un gros mytho, tout le monde le sait. Hein. Ouais. Et puis par la suite. Il a voulu aider le sud, mais en fait, il leur a mis une grosse quenelle. Hein. Pour prouver que c'était soi-disant l'héritier, il a sorti une photo montrant lui, sa maman et si je me trompe pas, j'ai peut-être un oubli, l'ancien roi. Et c'est ça. Ouais, c'était ça. Hein. Et là, Shane a tout de suite pété une durite parce que sur la photo. Bah, il a directement pointé le Don et lui a dit « Qu'est-ce que tu fous avec une photo de ma femme ? Ma femme, Rosalina, que je cherche depuis des années. » Apparemment, dans la complicité de la photo, c'est vrai que le Don soit l'enfant de Shane. Du coup, ils ont fait une prise de sang. Qui est pas mort, en fait. Non. Si tu veux, justement... Sa femme s'est mariée avec le roi. C'est ça, voilà. Son ancienne femme s'est mariée avec le roi et a eu le Don. Son ancienne femme s'est mariée avec le roi et si tu veux, son ancienne femme, elle avait eu un enfant avant de se remarier. Et c'était le Don. Le Don, c'était pas l'héritier du roi, parce que c'était pas un enfant du roi. C'était en soi l'héritier direct de la reine. Mais après, lui, il pensait que oui, hein, après... Et du coup, ils ont fait un test sanguin. Et le test sanguin était compatible à 96%. Donc, qui prouvait bien que le Don était le fils de Shane. Un test sanguin, on te fait une prise de sang, on vérifie certaines choses dans ton sang. Et grâce à ça, on peut savoir si oui ou non, t'es l'enfant ou pas de telle et telle personne. Quoi ? Donc, Cortisone était l'enfant de Shane ? Eh oui, ça a été confirmé à plus de 96%. Et ils ont refait 4 fois le test, hein, pour être sûr. Hein. 96%. Mais comment ils ont testé le sang, ils ont goûté le sang, les deux étaient acides, ils ont fait délicieux. Shane était médecin, ils ont fait une prise de sang, ils sont allés au laboratoire et ils ont fait 4 tests à la suite pour être sûr. Ok, je vois. Et du coup. Il est au courant qu'il avait un fils. Non, il n'était pas apparemment très au courant. Encore une femme qui l'a caché pour garder l'enfant pour elle. Du coup, vous l'avez laissé comme ça, non ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ? Ça s'est un peu échauffé dans tous les sens. Et vu qu'il nous annonçait que le roi n'était pas mort et qu'il dormait paisiblement au royaume du centre, le Don nous a dit qu'il avait prévu le coup et que l'intendant du roi l'attendait, et que si on y allait avec le Don, il nous ouvrirait la porte sans faire d'histoire pour qu'on puisse récupérer le roi, et qu'on puisse le juger par la suite. Mais le problème, c'est que tout le monde n'était pas d'accord, personne ne faisait confiance au Don. Donc il y a eu un vote à faire, soit on jugeait le Don tout de suite, et son jugement aurait fait qu'il soit exécuté ou non, soit on partait tout de suite dans les terres du milieu pour vérifier si c'est vrai que le roi était encore en vie et que c'était un mensonge. Après pas mal de chahutages et de désaccords, le vote a fait que nous partions tout de suite aux terres des milieux pour vérifier si le roi était en vie ou non. Vous êtes retourné encore une deuxième fois sur un terre des milieux. Ouais. On y est retourné et l'intendant n'avait plus les clés du château, tout simplement parce qu'on lui avait donné les clés du nord le temps qu'il récupère les derniers habitants qui étaient encore là-haut pour les faire revenir aux terres du milieu s'il le voulait. Donc on n'a pas pu vérifier si le roi était dans le château. Après, le château était assez petit et au début on voulait faire sauter la porte. Mais le château étant tellement petit, on avait peur que le roi soit juste derrière et on voulait absolument le juger et pas le tuer, donc on n'a pas fait sauter la porte. Donc on est reparti, bredouille, comme des cons, excusez-moi du terme. Et vu que tous les villageois des terres du milieu ont été prévenus de notre venue... et le Don leur ayant fait leur speech de liberté, qu'ils savaient que le roi n'était pas mort, il y a de fortes chances que le roi, aujourd'hui, ait été planqué ailleurs, s'il est réellement encore en vie. Ça, ce sera encore à nous d'aller vérifier si cette information est vraie ou pas,
Mais en tout cas, si elle l'est, ça peut être très important. Après, tout ce que je peux vous dire, c'est que en rentrant, le Don a été jugé. Je ne connais pas son juge. Ah. Je crois un petit moi aussi, je commençais à m'endormir. Hein. Il a pas tenu le coup, je crois. Ah ouais, là, je pense que ça a fait trop d'informations d'un coup. Ouais, là, tu l'as achevé, quoi. Un gros putain. Choc. Oui. Et mamie, quand elle a dit que le roi était mort, est apparue sincère la reine ou pas? Je sais pas. Rien que je me souviens quand la petite Amazon est venue, elle a fait non, la reine elle veut pas rester reine. Mais on arrive, qu'est-ce qu'on voit? Oui, madame la reine. Je suis d'accord. Je crois plus rien à ce qu'ils disent. En plus, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais c'est incroyable. Vraiment, moi j'y crois pas vraiment. On va, il y a la petite reine qui nous accueille, machin. Après, il y a un petit bonhomme là, un petit râleur tout le temps là. Il vient et fait oui, madame, il va mourir. C'est Psycho qui s'appelait. Exact, bien joué, Chuck. Je t'en remercie, maman. Après, on a les accompagnés pour aller voir le petit bonhomme qui mourait parce que je sais pas pourquoi en fait. Non, il était très drôle ça parce que bon, c'est pas trop que ça nous regardait, mais ça nous regardait pas les masses en fait. Mais on a tout suivi. Mais non, oui. Bref. On est allé pour rendre hommage, un dernier hommage au petit monsieur qui allait mourir. Et le monsieur, vous savez comment ils l'ont tué? Mais ils sont complètement malades là-bas. Ils l'ont tué à coup d'épée. Dans la tronche. Non, mais ils l'ont fait pas comme ça. Il est encore réveillé? Oui. Il est complètement malade. Moi, je les ai ratés. Je fais attendre à fond de faire. Ça voulait pas plutôt lui donner quelque chose? Il y a des choses un peu plus. Endormis-le au moins. Bourrez-lui la gueule. Non, non. Mais bien sûr, ma mère, il était en train de tituber sur le canapé, ma mère. Oh là 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 là. Tu belles tes. Oui, ils l'ont fini à coup de pied, ils sont complètement malades. Ils sont complètement fous, mais ils sont malades. Mais oui. Complètement fous, hein. Et d'ailleurs, pour ce que tu disais, Michel, tout à l'heure, concernant la reine, tu te souviens, t'as posé la question si tu la sentais sincère ou pas. Et si je me souviens bien, quand t'étais là, tu lui as demandé pourquoi elle était triste et qu'est-ce que c'était un deuil. Et quand elle t'a expliqué, elle avait pas l'air si triste que ça, hein. Bah, c'est ce que. Elle avait perdu le roi, hein. Là non plus, en plus il est mort, le petit, ils ont continué à parler directement. C'est moi qui ai dit, mais attendez, vous voulez pas faire une minute de silence pour ce pauvre petit? Ouais, ils s'en foutaient, ouais. Ils s'en foutaient. Mais oui. Tu sais, c'est pas très poli de s'endormir quand quelqu'un raconte une histoire, même si elle te fait chier, hein. Mais après, c'était beaucoup d'émotions, je vois que ça l'a un peu perturbé. Ah bah ça, je pense que ça lui a fait trop d'infos. Ah oui, la Green. On vous s'entend. Oui. Ah je pense que ça lui a fait trop d'informations d'un coup, ça lui a fait péter les tympans. C'est bon. C'est bon. Et qu'est-ce que tu sais au sujet de Joe du coup, Tebé? Rien du tout, parce que moi quand le Don, justement, c'est là que j'allais en venir. Quand je suis rentré et que le Don devait être jugé, je suis parti me coucher parce que la soirée m'avait un peu saoulé avec toute la mésentente qu'il y avait eu au sein de notre royaume. Et après, voilà, je laisse la parole à Mamou, elle en sait peut-être plus. Oui, du coup, on a jugé le petit Don. Enfin, il a eu son jugement. Il y a même des personnes du Nord qui sont venues. J'ai pas trop apprécié d'ailleurs. Mais bref, comme ça, c'était un jugement équitable. Il y avait la défense du Nord et la défense du Sud. Ensuite, on est venu au point final, on l'a jugé, et on a décidé qu'on allait faire une perpétuité à vie, enfin un exil à vie. Sur une petite île, c'est qu'il n'y a personne qui pourrait partir. Donc on n'a pas la peine de mort ici, il y a une chance. Oui. Ça c'est sûr, mon mec. C'est le docteur G qui a décidé de l'amener. Et je n'ai pas trop apprécié comme c'était son fils. Il est un peu louche. Je lui ai dit, c'est bon, je l'amène tout seul. Je lui ai fait, non, il faut des personnes avec. Et c'est là que mon petit Joe, il est parti. Et je sais pas avec qui il est parti. Je sais pas s'il est parti tout seul. Moi, j'étais deux personnes. Mais je sais pas s'ils sont partis à deux en plus. Ils sont peut-être partis tous les trois. Ils sont jamais revenus. Mmh. Et c'est là avant, il m'a dit, c'est. Le petit Alfdan, il m'a dit. Oui, on a retrouvé son bateau avec toutes les affaires dedans, petit Joe. Et puis, il a laissé une lettre comme quoi il allait rejoindre le petit docteur avec son fils. J'ai pas tout compris, c'est pour ça que je veux lire la lettre. On l'a pas trouvé chez Quick. Mais à mon avis, il va pas en avoir encore pour ça, c'est bizarre. Salut. Oui. On est rentré avec Quick.
Ouais, ah, il faut Quick, ah, il faut Quick, va chercher Quick, va chercher oui. Quick, va bon, chercher allez. Quick. Demande-lui la lettre. Demande-lui la lettre. Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Pardon. Je me rassois. C'est des coups à se faire péter oui, les cordes vocales, ça. Aussi. Mais bon, t'es un cité quand même pisse, toi. Hein. Mais attends, c'est Joe quand même, avec tout, après tout oui. Ce qu'il a fait pour, bon, ouais, pour le sud. Ah bah oui, oui, je suis bien d'accord. C'est un peu normal. Fais attention à tes cordes vocales, hein, tu sais, pour un rien ça pète. Hein. Et du coup, là, les gens du milieu, là, le roi, il est mort ou il est pas mort alors? Bah on est allé avant là. Et puis on a essayé, et on a dit, on s'est passé pour des pirates. Puis on a parlé un peu à la reine, puis elle nous a dit oui, non, il n'y a plus de roi, il est mort. Il n'y a plus qu'une reine, en plus elle veut pas de roi, se voir. Parce qu'il y a, un petit là, le petit roi teubé aussi, comment il s'appelle, le petit roi... Le roi des cons. Oui, des bêtises, oui. Jean-Louis. Ah oui, le hein petit Jean-Louis. Le roi des cons, Jean-Louis. Il a dragué ouvertement. J'ai un nouveau qui vient d'arriver, il est pour la peine de mort, il a dragué ouvertement contre, la petite reine. Ça fait quand même beaucoup d'informations à retenir. Hein. Oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Check, mon mentor, il dit toujours il faut noter. Est-ce que t'as noté? Faut toujours noter, mon man. Il faut noter, ouais, moi j'ai tout noté. Check. J'ai même noté que je notais que tu notais. Alors bon. Ah bah c'était bien, c'est bien. Check, t'as pris le petit Michel sur ton aile, c'est ça? Ah ouais, c'est lui qui s'est glissé sous mon aile de caille, ouais, c'est tout. Ah ouais. Il est venu dans mes plumes à ripoustoufler, ouais. Et du coup, les relations diplomatiques avec. L'île du milieu maintenant, ça se passe comment? On était censé y aller et on était censé y aller et faire une réunion officielle pour. On était en soi, mais en ne leur laissant pas le choix et en leur demandant que toutes les personnes qui devaient avoir un jugement pour ce qu'elles ont fait au Royaume-Uni. C'est moi qui bégaye ou c'est lui? Non, non, c'est lui qui a fini une phrase. Oh, ouais. Oui. Excusez-moi, je vous dis que nous étions... Ah, tu cries, nous tu étions cries. Censés... Nous étions censés aller dans, dans les terres du milieu et faire un accord, mais à condition, et en ne leur laissant pas trop le choix, de nous donner les personnes qui devaient être jugées pour les actions qu'elles avaient faites à l'encontre du Royaume du Sud. Bah ouais, bah ouais. De la République du Sud. Oui, pardon, République du Sud. Bah, c'est République tout court maintenant, il n'y a plus de Royaume du Nord. Donc le Nord, il y a à nous apparemment, non? Bah, pour le moment, il n'y a plus aucun dirigeant, sauf Fernando qui sert de dirigeant temporaire, donc ce serait bien qu'on retrouve... Dans le sud enfin, ouais, dans le sud. République. Pour le moment, il n'y a plus rien. Ouais. Pour le moment. Ouais, ça va être compliqué, ça. D'ailleurs, on voulait voir avec Fernando, hein, si Kira et moi, on pouvait rentrer dans la police, hein, du coup. Bon, bon, bon. Si je me trompe pas, j'avais déjà posé la question à Fernando et il nous avait... a répondu que d'abord ils allaient faire des élections pour élire un président et des sénateurs. Michel et seul plus très bien je l'ai par moment. Ah, cool. Oui, je suis de retour, j'ai la note. D'abord ils veulent élire un président et des sénateurs. Attends. Et seulement après ils Écoute, font des recrutements pour la police. Oh, ouais, mais ça devrait être le contraire en fait. Bah oui, la police va faire respecter l'ordre. Bah oui. Tu parles on verra bien. Faut faire respecter l'ordre, il faut des lois. C'est Alf. J'ai la note de... Alf, donne la lettre à Mamou. Donne la lettre à Mamou. Attends, faut que je la retrouve. Attends, je te la passe. Là. Là, je l'ai jeté. Je peux lire. Et je la laisse là, comme ça tout le monde peut lire. Moi, je sais pas lire. Ah, allez-y, lisez-la nous, hein, ça sera plus simple. Ah oui, Charles, si tu sais lire, vas-y. Chant. Ah non. A décidé de sauter dans l'eau. Je le rejoins. Jamais je ne laisserai un ami partir comme ça. Prenez soin de ma famille, je vous aime. J'espère vous revoir un jour. Joraldon, vive la liberté. C'est quoi mort. Ça? Donc il a sauté dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien. Il est mort ou il est pas mort? J'ai du mal de comprendre. Hein. Ils ont sauté à l'eau pour quoi faire aussi ouais, ça et où ça, dans l'eau, puisqu'on peut peut-être faire des recherches du coup. Non mais ça voudrait dire qu'il y a un mec qui tombe à l'eau, il prend le temps d'écrire la lettre pour sauter après.
Ouais, c'est bizarre. Bah, il a peut-être mis un peu de temps avant de se décider, hein. Il a peut-être hésité, hein. Bah, vu ce qu'il dit, il a l'air vachement déterminé. Avec ça, il y avait les affaires de Shen et donc de Joe dans l'armoire. Et il y avait cette note aussi. Dans l'armoire. Qui appartient à Shen, je crois. Ici. C'est ça, il est revenu pour écrire son courrier en partant de moi pour sûr qu'il... On a trouvé un bateau, le bateau avec lequel ils sont partis à je ne sais quels endroits. Et on a retrouvé le bateau au port ce matin. Donc je sais pas qui l'a ramené, mais on l'a trouvé au port. Et dans le bateau avec Mamadou, on a ouvert les boîtes, les coffres qu'il y avait. Et dans les coffres, on a retrouvé tout l'équipement de Joe et de Monsieur Shen. Et on a retrouvé ces deux notes. D'accord. Donc, on n'en sait pas plus. C'est une photo, Oui, bien sûr. Ramassez-la, elle risque de se perdre. Ah, mais je sais pas lire les photos moi-même. Mais. Alors, contentez-vous de les regarder. Ah, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas compris. Je comprends pas. Moi, je prends l'exemple. Si Aïla tombe à l'eau, bah, je saute tout de suite. Si on regarde, Et ouais, mais je suis plus rapide que toi, tu sais bien, tu bois trop. J'ai trop le seum, mon man. Tout ce qui peut m'entraîner. C'est la fin des asticots, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et je saute tout de suite. Mine Yogi, je peux vous poser. Oui, Fritz. Je comprends pas. Vous dites que les Chantunors sont des méchants. Mais j'ai été là tout à l'heure, les foires, pour demander s'ils pouvaient investir dans le projet du centre sportif. Et ils m'ont accueilli, mais vraiment très chaleureusement. Je comprends pas. Mais dans le Nord, il n'y a plus personne dans le Nord, il y a juste des villageois. Non, mais je veux dire, au milieu, là, dans le machin du milieu, là. Ah, l'île du Sud, là, c'est. Il y a Folle, là. Je sais pas quoi. La CIC. CIC. Il reste toujours genre. Ils veulent investir. C'est Frolin. C'est Frolin avant qu'ils aient qui m'a reçu. Ah oui. Qu'ils investissent on a été il faudrait que les qu'ils nous remboursent tout ce qu'ils nous doivent, qu'ils ont tout craché, qu'ils ont tout envoyé. Nous, on a été très bien accueillis. On va pas leur rester des piquettes et des piquettes. Jusqu'à ce qu'ils abattent leurs potes à coups d'épée. Toujours. Au premier abord, ils ont l'air très gentils, mais après, ils t'assomment à coups d'épée dans ta tête. Ah bon? Ils sont fâcheux. Bah, ils ont fait ça. Comment ils ont tué leur ami? T'as pas entendu? Ils ont tué leur ami qui était mourant. Oui. Il en allait. Après, avec la petite reine, ils ont appelé. Là, il y avait un petit mourant. On a dit qu'on allait lui rendre hommage aussi. Et puis, à un moment, il a dit hey, tuez-moi, achève-moi. Qu'est-ce qu'il a fait, son autre copain? Là, il a sorti une épée, puis il l'a tué comme ça, à coup d'épée. Comme un fou. Ouais, c'était violent. Ouais, c'est exactement le bruit que ça a fait en plus. Il faut acheter nécessaire au milieu parce que c'est après, moi, j'ai fait. Sauvage, hein. Ah, c'est toi qui avais pété de derrière les fagots, mon Kevin. Elle a dit reste en paix. Oh là là, ah c'est pour ça, reste en paix, ça sentait comme dans le cul d'un fiomia, laisse tomber. De toute façon, ça va aller, hein. Ah oui, ça sent pas très bon.